Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. En tout cas, les chiffres, les résultats des sondages montrent ces virages, montrent cet intérêt des Congolais de tenter autre chose. Ils se disent peut-être avec les partenaires traditionnels, avec l'Occident, le pays est presque dans la case de départ. On ne voit pas vraiment des changements. Et si on tente autre chose. Plus par insatisfaction de ce qui s'est passé jusqu'ici, qui est par un souci de rejet, véritablement, par un sentiment de rejet, parce qu'on voit quand même que les partenaires traditionnels, que ce soit la Belgique, la France, il y a une majorité de Congolais, on parle de 58% par exemple pour la Belgique et la France, qui ont encore des opinions favorables envers ces partenaires, mais on constate quand même que les partenaires comme la Chine, le Japon, vous avez parlé de la Turquie, sont de plus en plus regardés avec intérêt. Pourquoi pas eux? Peut-être eux, ils vont essayer de faire avancer des choses contrairement à ce qu'on a eu. Donc c'est plus une tentation d'essayer autre chose. On a vu par exemple sur des questions sécuritaires, les gens manipuler ou pas, sortir à Bukavu ou à l'Est pour dire on veut que la Russie vienne nous aider, parce que voilà, ça fait plus de 20 ans qu'il y a une sécurité dure ici, on veut tenter autre chose. Donc il y a ces sentiments-là d'essayer autre chose, d'essayer de se tourner vers d'autres partenaires dans l'espoir que les choses puissent mieux se passer. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.